Tu sais, Knopa, je ne te comprends pas. Knopa, je t'ai simplement demandé de le faire, c'était trop difficile. Et pourquoi tu m'as demandé de faire ça? Tu t'es pas douté que peut-être je ne pouvais pas? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne pouvais pas? Eh bien, parce que j'étais occupée. Allez, les filles, arrêtez de vous disputer, vous êtes des meilleures amies quand même. Tu sais quoi, Knopa? Quand tu me demandes quelque chose, je ne dis jamais non. Non, arrête de mentir. Quand je t'avais demandé de récupérer mes paquets à la poste, tu ne les as pas pris et ils sont repartis. Je n'ai pas pu les retirer à la poste parce que tu ne m'avais pas donné tes documents. Non, tu dis n'importe quoi. Je ne te crois pas. D'accord, Knopa. Tu peux ne pas me croire, mais je ne te mens pas. Ouais, drôle de meilleures amies. Elles se disputent toujours pour rien. C'est bon, les filles. On ferait mieux de s'entraîner au lieu de vous disputer. On est d'accord. Très bien, les filles. Entraînons-nous. Mais moi, je ne veux pas m'entraîner. Tu es folle? Nous sommes des pom-pom girls. J'en ai rien à foutre. Je viens de te dire que je ne veux pas m'entraîner. Nous avons récupéré ce zoo abandonné il n'y a pas longtemps. Les animaux ici ont vraiment besoin d'aide. Aide-nous à sauver ces pauvres bêtes et à leur construire un habitat confortable. Télécharge notre jeu et travaillons ensemble. Les pandas, les lions et les éléphants nous attendent. Ok, Knopa, j'ai compris. Les filles, commençons l'entraînement sans elles. Merde, je suis choqué. Pourquoi vous vous disputez? C'est rien, mascotte. Victoire! Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Les bunnies vont tout gagner. Knopa, tu m'as fait une grimace ou quoi? Écoute, on est fâchés, mais je suis ta capitaine. Et personne n'a le droit de me faire des grimaces. Et personne n'a le droit de me crier dessus, compris? Fais attention, Diana, je suis une bonne meneuse. Je pourrais rejoindre les Frogs. Je vois, Knopa. Eh bien, dans ce cas, tu peux y aller. Tout de suite. Enlève ton uniforme de bunny et va en mettre un de grenouille. Non, non, non! Les filles, ne faites pas ça! Qu'est-ce qui va pas chez vous? Ce n'est rien. Des meilleurs amis qui se disputent. Et une dispute qui durera pour toujours. Merde, je suis choquée. Qu'est-ce qu'elle a? Allez, Diana, calme-toi. Vous allez certainement vous réconcilier. Mais si elle rejoignait les Frogs... Si elle veut rejoindre les Frogs, ça la regarde. Très bien, les filles, entraînons-nous. V-I-C-D-O-R-Y, victoire! L'équipe des bunnies est la meilleure! Tima, j'ai vu que tu as liké les photos de Diana, mais pas seulement les siennes, celles de ses amis aussi. Pourquoi? Combien de temps dois-je attendre? Plus vite, j'en ai marre de vos histoires! C'était il y a longtemps, Salade? Non, Dima, ce n'était pas il y a longtemps. On sortait déjà ensemble à l'époque. Attends! Dima, franchement, c'est pas normal. Mais les photos sont faites pour être likées. Si j'aime, je like. Sinon, je ne like pas. Écoute, Dima, si tu veux que je reste ta petite amie, tu dois arrêter de liker. Arrête de liker! Oh my god, ils s'engueulent pour un like. Salut, Knopa. Au revoir, Kostia. Pourquoi tout le monde est énervé aujourd'hui? Bon, dépêchez-vous, là, et arrêtez de vous engueuler. Oh, bonjour, Kostia. Est-ce que c'est occupé? Oui. Qui est là? Je ne sais pas. Dima, je veux que tu me présentes des excuses. Pour des likes? Ok, Salade, je les enlèverai. Bien sûr que tu le feras, mais je veux aussi que tu t'excuses. Salade, notre relation est trop compliquée. Elle est compliquée parce que tu likes d'autres filles. Arrête de crier! Tu sais qu'on n'a pas le droit d'être ensemble dans les toilettes? Eh bien, je m'en fous. Kostia, qui est là? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Kostia, c'est Salade et Dima. Pourquoi vous vous enfermez là-dedans? T'as entendu, on s'est fait choper? Comment on va sortir? On n'a qu'à pas sortir. Pas question, je ne veux plus rester dans les toilettes avec toi. Les gars, vous avez oublié les règles. Pourquoi vous êtes-vous enfermés dans les toilettes? Dis-moi, tu étais là-dedans? Professeur Mike, est-ce qu'un petit ami a le droit de liker les photos d'autres filles ou pas? Quoi? Vous en pensez quoi? Expliquez à Salade. Oui, expliquez à Dima. En fait, c'est mieux pas. Et voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Dima dans les toilettes depuis une heure. Tu ne peux pas liker les photos des autres filles. Oh my god, Salade, vous aurez dû discuter ailleurs mais pas aux toilettes. Allez, allez. Les gars, vous avez crié tellement fort que le professeur Mec a tout entendu. C'est à cause des likes? Oui, c'est à cause des likes. Tu t'inquiètes pour rien. Tu sais, Dima n'aime que toi. Si c'était le cas, il ne likerait pas d'autres filles. Supprime ses likes tout de suite. D'accord, je vais les supprimer. Pourquoi vous venez dans notre école? Vous savez que le professeur Mike est contre. Vous n'avez rien d'autre à faire? Écoutez, ce ne sont pas vos affaires. Dites-nous plutôt ce que les Frogs aiment. On voudrait les gâter. Qu'est-ce que les Frogs commandent d'habitude? Ah, vous voulez commander pour elles? Ça, c'est une bonne idée. Elles aiment les salades, les pizzas, les carbonara.
Alors on prend 4 carbonara et 4 pizzas. Marcus, c'est trop. On doit leur montrer qu'on est galant. Très bien les gars, asseyez-vous, on s'en occupe. Vous avez rompu avec les rebelles? Et pizza, occupe-toi de tes affaires. Allez, vas-y, on veut que les rebelles réalisent ce qu'elles ont perdu. Je suis choquée, c'est Santa Barbara à l'école. Pizza, du moment qu'il commande. Salut, les garçons. Je vois que vous n'avez plus peur de vous faire attraper par le professeur Mike. Ces gars n'ont peur de rien. On va au cinéma ce soir? Mais les filles, je dois d'abord rentrer chez moi pour me changer. Les filles, on peut vous conduire n'importe où. Je serai votre chauffeur. On a une voiture luxueuse. Les filles, vous allez être gâtées. Wow. Merde les mecs, vous êtes géniaux. Ice Pizza, apportez-moi un mojito bien glacé. Ok, j'arrive. Oh, Knopa, salut. Pourquoi tu salues Knopa? Quand tu as une Frogs? Regardez-la, Knopa est sans les rebelles. Elle n'a pas l'air d'être elle-même. Quelque chose s'est certainement passé. Les Frogs, vous pourriez chuchoter? J'entends tout. Et pour une fois, vous pourriez vous occuper de vos affaires? Knopa, autre chose? Non, je ne veux rien d'autre. Merde, les filles. Je me suis disputée avec Knopa. Qu'est-ce que je dois faire? Diana, honnêtement, cette dispute est de la faute de Knopa. Ne va pas la voir en premier pour te réconcilier avec elle. Diana, je ne vois rien de mal si tu fais le premier pas vers la réconciliation. Tu crois, mascotte? Je vais envoyer un message à Knopa pour qu'elle vienne ici. Et je vais m'excuser. Diana, c'est elle la coupable dans cette situation. C'est vrai, Diana. Tu es la capitaine. Elle n'a pas droit de te parler comme elle l'a fait. Et en plus, elle a quitté l'entraînement. Les filles, pourquoi vous dites ça, Diana? Elles ne vont jamais se réconcilier. Merde! Je lui envoie un message ou pas? Non! Diana, oui, fais ce que ton cœur te dit de faire! Merde, les filles, je suis perdue! Knopa et moi, on se dispute tout le temps, puis on se réconcilie. Mais c'est toujours moi qui fais le premier pas. Tu vois, cette fois, laisse-la faire le premier pas. Parce que si c'est toi qui fais toujours le premier pas, elle va prendre de mauvaises habitudes. Ok, les filles, je vais attendre jusqu'à demain. Et si elle ne m'envoie pas de texto, je lui en enverrai un. Diana, vous êtes des amis, vous vous disputez, vous vous réconciliez, c'est normal. Bébé, que s'est-il passé? Dis-moi. Tu t'es disputé avec Knopa. Elle est furieuse, hein, tellement en colère. Hein. Les garçons, elle vous a déjà tout raconté? Smile, Knopa et moi, on s'est disputés. Une grosse dispute. Bébé, Max et moi aussi, nous nous disputons souvent. Vous allez vous réconcilier? Diana, je vais chercher Knopa et la ramener ici. Hein. Vous allez discuter et vous réconcilier. Hein. Très bonne idée, Timur. Non, non, ne fais pas ça. Elle est très furax. Laissez-la se calmer. Écoute, Timur, tu ferais mieux de t'occuper de Knopa. Elle est vraiment furieuse. Les filles, et pourquoi vous me criez dessus? Il a rien fait. Les filles, calmez-vous. Timur n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est entre Knopa et moi. Elle a osé nous planter en plein entraînement. Oui, et elle a même menacé d'aller rejoindre les Frogs. Est-ce que c'est normal? Elle n'ira nulle part. Elle était juste furaxin. Mais pourquoi vous vous êtes disputés? Je comprends toujours pas. Eh bien, je lui ai demandé de m'accompagner à une fête parce que ma mère ne me laisse y aller que si Knopa est là. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Car en fait, elle était en rendez-vous avec Timur. Et dis-moi comment tu le sais, hein? Hé, petit, t'as eu un rendez-vous avec Knopa? Knopa me l'a dit, Timur. Knopa. Je lui ai demandé de venir, mais elle m'a dit que ses parents n'étaient pas d'accord. Pourtant, elle était sortie avec toi. Eh bien, c'est pas digne d'une meilleure amie. En fait, hein, je lui ai demandé de sortir avec moi. Voilà, les gars. Les filles, allons nous changer. Allez, bébé, vous allez vous réconcilier? Je l'espère, Smile. Waouh, les gars. Je suis vraiment ravi que vous soyez venus à ma séance de danse. Hein. Pour commencer, hein, mettez-vous deux par deux. Hein. Quel est le problème? Mettez-vous deux par deux, hein. Les filles! Non! Lialia! Yana, je ne veux pas être avec toi. Ryan, personne ne peut. On est tous en froid. La danse crée des liens. Choisissez une personne et dansons. Hein. Très bien. Bros, je me mets avec toi. D'accord. Et Patrick, tu seras mon partenaire. Zouza! Donc les gars, répétez les mouvements après moi. Je ne vois pas du tout de passion. C'est une danse de couple. Plus de passion. Compris. Plus de passion. Rose, tu danses vraiment bien. Zouza, regarde comme Bros enlace Lialia. Groucha, ne les regarde pas. Allez, Patrick, serre-moi plus fort. Comment? Comme ça, Patrick, dansons. Groucha, regarde comme Patrick danse avec Yana. Zouza, ne les regarde pas. Vous ne formez pas un beau couple? Vous non plus, vous êtes nuls.
C'est parfait, hein. Dansez, même si vous vous êtes disputé, hein. Lialia, tu es si cool, tu es si douce, c'est agréable de danser avec toi. Merde, Bros. Et toi, tu bouges tellement bien. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Bros, qu'est-ce que t'as dit? Groucha, arrête d'écouter, on a rompu, hein? Ah oui, c'est vrai. Patrick, pour être honnête, je ne pensais pas que tu étais un si bon danseur. Tu sais, les perdants ne savent pas que danser. Ah! Oui, ils savent aussi bien embrasser. Oh my god! Toi, Patrick! Ok, les gars, intensifiez, hein. Intensifiez, hein. Intensifiez, hein. C'est une danse de la passion, hein. Mettez de la passion, hein. J'ai vraiment une sale tête aujourd'hui. Pourtant, l'entraînement était comme d'habitude. Les filles, c'est moi ou Salade me regarde? Diana, elle te regarde depuis un moment. Salade, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Pourquoi tu me regardes comme si tu voulais me manger? Oui, Diana, c'est tout à fait ça. Salade, ne fais pas ça. Chut, tais-toi, Dima. Diana, je veux que tu bloques Dima, tout de suite. Non, mais pourquoi, Salade? Oh, non. Salade, je ne te comprends vraiment pas. Pourquoi je devrais bloquer Dima? Il n'a rien fait de mal. Nous croyons savoir. Pourquoi elle te demande ça? Je veux que Dima arrête de liker tes photos. C'est pour ça que je veux que tu le bloques. C'est la honte, c'est la honte. Ah, c'est donc ça le problème. Dima, arrête de liker mes photos. Ta petite amie est folle. Merci, Diana. Je suis contente que tu me comprennes en tant que fille. Mais je t'en prie, Salade. Allô, bonjour. Oui, je suis une pop-up girl professionnelle et j'aimerais intégrer votre équipe. Oui, dites-moi quand je devrais payer mon uniforme. Alors, Diana, amie? Non, Salade, pas amie. Eh bien, merci quand même. Knopa, je peux te parler? Je suis au téléphone, au cas où tu ne l'aurais pas vu. Diana, ne fais pas le premier pas. Si je ne fais pas le premier pas, Knopa va faire beaucoup de choses stupides. Knopa, s'il te plaît, raccroche ce téléphone, je dois te parler. Envoyez-moi l'adresse par SMS et je viendrai à l'audition vous montrer ce que je sais faire. Diana, je suis occupée, tu as 3 secondes. Knopa, c'est une blague? C'est quoi cette audition? Tu es une pom-pom girl bunny. Merde, s'il vous plaît, faites la paix. Ce n'est pas une blague, Diana, je ne suis plus une bunny. Knopa, tu es sérieuse? On ne peut plus sérieuse, j'aurai la chance de devenir une capitaine là-bas. Ah, bon sang. Eh bien, dans ce cas, bon débarras. Ce n'est pas une meilleure amie. Une meilleure amie n'aurait jamais fait ça. Ah! Non, les filles. Je dois l'en empêcher. Depuis le début, je l'ai entraînée. Et là, elle va partir dans une autre équipe au détriment de la nôtre. Non, ça n'arrivera pas. Tu sais, Salade, ce sont nos affaires. Tu fais un drame pour rien du tout. Juste pour un like. Dima, tu vas être bloquée. Tu vas être bloquée. Fais gaffe, Salade, ou Dima va te larguer. Quoi? Kostia, relax, relax. Ça n'arrivera jamais. Knopa, laisse-la. Knopa, attends, on doit parler. Ouh là là. Les deux meilleures amies se sont vraiment disputées. Ice, une eau plate. Knopa, tu fais quoi? Tu es devenue une pom-pom girl professionnelle dans mon équipe. Et tu veux partir dans une autre équipe? Knopa, tu sais ce que c'est? C'est de la trahison. Les filles, mais calmez-vous, je vais vous donner 4 verres d'eau et vous pourrez parler sans vous battre. Ice, merci, mais je ne veux pas d'eau. Knopa, dans cette situation, tu as vraiment tort. Knopa, trahir son équipe pour une aussi petite chose, ce n'est pas bien. Knopa, si c'est important pour toi, je peux m'excuser. Il ne s'agit pas de toi, Diana, tu ne t'excuses jamais. Sérieusement? Eh bien, tout le monde, écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Les rebelles se disputent. Merde, Knopa. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes censés être des meilleures amies. Je veux voir si elle a assez de courage pour faire ça. Hé, hey, Diana, quelqu'un t'a offensé. Et calme-toi. C'est une dispute entre meilleures amies. Je me fiche que ce soit une copine ou une amie. Je ferai tout pour Diana. Roméo, calme-toi, ce sont des copines. Des pom-pom girls, des rebelles, ne t'en mêle pas. Très bien, les gars. Devant vous tous, je veux présenter mes excuses à mon amie Knopa. Knopa, pardonne-moi, s'il te plaît, si tu penses que j'ai eu tort. Je veux qu'on redevienne meilleurs amis comme avant. Waouh, vous avez vu ce que vient de dire Diana? C'est vraiment touchant. Un acte de bravoure. Mec, mon bébé est génial. Marcus, quoi? On va au cinéma ensemble aujourd'hui. Comment ça, mon bébé? Alors, Knopa, tu veux bien me pardonner? Ou tu t'entêtes à partir dans une autre équipe? Je vais te le dire maintenant. Penses-tu vraiment que je pourrais partir dans une autre équipe? Je l'ai fait seulement pour que tu t'excuses, Diana. Knopa, tu es sérieuse là? Bien sûr, et tu t'es excusée. Alors, on fait la paix? D'accord, Knopa.
mais je te le dis, ne refais plus jamais ça. Merde, Knopa, t'as exagéré. Mais Knopa, c'est toi qui avais tort. Toi aussi t'avais tort. Vous allez encore vous disputer. Ok, Knopa, la paix. La paix. Meilleurs amis. Meilleurs amis. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et...